Yo les amis, c'est SaveTheGaming, j'espère que vous allez bien, bah moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA50Lag.com, comme j'y ai fait, et je ne suis pas tout seul actuellement. Il y a Nezofox, donc vous pourrez voir aussi dans l'écran, son écran, en regardant sa vidéo qui sera en description évidemment. Du coup voilà, j'ai du mal à parler parce qu'en fait il parle en même temps, donc du coup je suis pas très habitué. Première vidéo en duo, et donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like si bah ça vous plaît. Voilà, tout simplement. Ah, voilà le CVF. Bonjour. Bonjour monsieur Nezo Fox. Bon, alors. Bon, moi je vais patrouiller en espèce de BM ou enfin mélanger. Voilà. Parce qu'on sait que Rockstar, voilà. Vous, toi, toi, je crois que tu patrouilles avec un Land Rover, je crois. Enfin, si je me trompe pas. Ouais, non, Range Rover. Ouais, Range Rover. Mais après, Land Rover, c'est la même chose. Enfin, c'est les... Ils sont mélangés. Oui, c'est les mêmes. C'est juste qu'il y en a un qui est tout terrain et l'autre sport. Ouais. Moi, je suis avec les sports. Bon, bah. Voilà, on a cette demoiselle en centrale. Voilà. Bref, bon, bah, allez, on va prendre notre service. Centrale, donc du coup, on va prendre notre service du coup direct pour GTA. Enfin, la session GTA, tout simplement. C'est parti. Bon, ça va être chaud, vu qu'on les deux, on est dans la même unité. Non, mais moi je vais être la patrouille 15-1 et toi 15 directement. Ou 15, ouais. Ok. Wow. Donc, attends, deux secondes. Je monte ton véhicule, donc CVF lui il l'a en mode blindé. Et puis moi je l'ai en mode normal sport. Oula, t'entends les flics toi. Ouais. J'entends absolument rien, moi. J'entends à travers ton son. Ouais. Ouais, par contre je vais peut-être enlever mon menu, voilà, hein, parce que c'est très intéressant de voir le menu de Xbox Beta. Bon, du coup, je pense qu'on va patrouiller chacun de notre côté d'abord, et puis on verra ce qu'il en suit, évidemment. Donc, un petit rappel pour les patrouilles, pour même ceux qui nous regardent. Nous, on n'est pas là pour empêcher les organisations, au contraire, si on doit essayer d'aider, mis à part que les gens vont peut-être pas comprendre, on va essayer d'empêcher les autres de prendre les autres organes, ou s'il y a d'autres joueurs qui tuent, qu'ils acharnent sur la même personne, tout simplement. Bon, ça se peut que là on ait rien du tout dans cette session. Après. Donc, COPJ 15, centrale à que j'annonce ma prise de service. Je l'ai dit tout à l'heure. Du côté de. Wow. De la plage. Non, monsieur. Bah, reprends ton véhicule, crétin. Il est con, lui. Oh, lui, il y a pas beaucoup. J'entends ton gars gueuler à travers l'écran. Ouais, mais bon, c'est. Ah, c'est ton micro. T'entends. Ah merde, je me suis trompé de sens. C'est pas là. Ouais, par contre, j'ai oublié de faire un petit détail de regarder les effets psychiatriques. Ah, oui. Donc, attends, le feu est rouge, je vais regarder. Bon, moi je m'arrête comme ça. Alors, 6, on a un. Wow, putain! Oh putain, j'ai un hélico qui a explosé de mon côté. Ouais, bah moi c'est un avion de mon côté. Oh putain, mon véhicule est tout simplement défoncé. Oh putain de merde. Bon bah, je crois que déjà on commence bien, explosion d'hélicoptère sur notre gueule. Je vais devoir passer à Los Santos Custom, trop bien, j'aime bien. Putain, lui il a sorti une arme. Putain, oh bah, l'état du véhicule. Donc là, les amis, je vais vous reprendre, je vais juste aller faire un... couper vite fait. Donc voilà, je vous reprends. C'est parti, on reprend la patrouille, on a un mode passif à côté. Mais bon. Mode passif, on s'en tape un petit peu. Oula.
On est un chercheur de tête, donc ça par contre on s'en fout. Hein. Peut-être par contre le gars il est en courant ma blindée, j'arrive pas à le rattraper. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu, il y a un gars qui a tué un autre gars là. Il le retue encore une fois là. Je l'attaque. Ouais, mais attends, mais what? J'ai pas. Oh, tel bâtard, il m'a éclaté un pneu. J'ai pas vu la notification, c'est. C'est bizarre. Bah, regarde. Là, moi j'ai deux personnes qui quittent en fait là. Ouais, bah en fait, le gars qui a quitté, bah en fait, c'est le gars qui vient d'écraser. Ouais, d'accord, je reçois la notification de Desofox, d'accord. Ouais, moi aussi. Sortez de votre voiture. Putain. T'es con que c'est un joueur. Il va peut-être pas coopérer. Ouais, ouais. Bah t'inquiète pas, je vois bien qu'il coopère pas, cet enfoiré. Wow. Unité 15, est-ce que vous avez besoin de renfort? Oui, j'aurais besoin de renfort, s'il vous plaît. Donc je viens de le tuer, j'espère qu'il sera calmé. Donc central, je rejoins une unité en code 3, hein, je mets le klaxon entre les carrefours, enfin bref, voilà. Donc, ouh putain, il y avait un véhicule de la route. Dire. Police. On va quand même y envoyer. Police. Le gros bonnet, d'accord. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Wow! Oula. Putain! Wow! Ah merci, je viens de me prendre un PNJ. C'est bon. Wow, putain, mais ils sont excités les PNJ. Bon, déjà, lui, je vais lui faire un petit truc, un petit détail. Fais gaffe à ma bagnole, par contre. Ouais, non, mais je vais... Ah, lui, il comprend pas, on dirait. Wow. Il sait pas manier son snipe en plus, dedans il fait de la danse. Non, non, il est pas au snipe. T'es sûr? Parce que moi dans mon côté, ça m'a dit vous a tué au fusil précision. Bah là, il était à la mitraillette, moi, quand je l'ai tué. Ouais, mais attends, parce qu'il y a des snipes qui sont. Oh merde, j'ai tué un PNJ sur l'extrait. Bon, PNJ. Putain, non, mais. Alors, il y a des petites erreurs. On est en laine aussi, donc on n'est pas en patrouille entre nous, donc... Oui, ben... C'est... comment il s'appelle Virgage Auto. Wow. Moi, là-bas, j'essaie d'utiliser que deux armes. J'utilise que la... Ah, mais non, il y a des fois, moi, j'utilise le snipe des fois, parce que... Non, moi, j'essaie d'utiliser que les deux armes données. Et où c'est abouti? Les deux armes de service. Tiens, allez, bim, bouffe-toi ça. Bon. Bah, je pense qu'il en a pris assez. Bon, je pense qu'on va se barrer parce qu'on n'est pas là pour faire un combat. À part s'il me riposte derrière le cul. Donc, COP J15 à centrale. Donc, on annonce que le suspect a été neutralisé. Et que les PNJ sont en train d'exposer ma caisse. Ouais. Code 4 pour ma part, police 15-1. Enfin, comme j'ai faire 15 en plus, il m'a créé un pneu. Il m'a créé deux pneus en plus, enfin. Ouais, tu veux peut-être que je te prenne en fait. Non, c'est bon, je vais. Putain de. Ok. Tokyo Drift.
Donc central, j'ai pris quelques impacts de balles. C'est dès que je trouve un magasin ou pas très loin un distributeur de boissons, j'essaierai de me soigner. Bon, les amis, oui, on se soigne dans GTA avec des boissons. Voilà. Ou avec des M&M's. Voilà. En vrai, dommage, ils ont pas fait comme dans GTA 4 où il y avait les burgers et puis tout ça. Donc central, je me gare sur le trottoir pour être rapide. Je passe en cotis pour pouvoir aller dans le magasin. Come in, come in. I've just opened. Oh, je suis plein en fait. Là, faudrait un cours faire un. T'as j'étais à 4 toi. Non non. Ah bon. Dommage. Pour ceux qui regardent ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un Kobji sur GTA 4. Que ça soit PC ou Xbox. PC, je pense que ça sera plus avec des mods. Mais je pense plus à une Xbox. Attention. Ah, il a offert une prime, le monsieur. Il m'a mis une prime sur la tronche. Donc lui, il a pas compris. Central demande d'une de plusieurs unités sur merde, comment il s'appelle déjà le petit zozo, je te là. Le dis. Je te le dis deux secondes. Je tire le message. C'est Jima machin. Oh là là là, attention, il arrive. Il arrive. Il arrive. Il est en train d'arriver, c'est un broutille. Fais gaffe, il arrive. Il est encore malin des roses. Encore ? Ouais, il revient. C'est avec ça que j'ai tué. Central, donc un individu. Donc du coup, j'essaie de rejoindre au plus vite l'unité qui se fait attaquer. Ouais, deux unités. Central. Wow. Bon, ben, ils sont deux. Donc ça commence déjà bien. Ouais, mais c'est que du coup je te la casse même plus. Je suis à côté de toi. D'accord. T'as spawn à côté de moi. Tu veux pas monter plutôt devant? Ouais, mais même je peux pas monter. Ouais, attends. Bah, 2 minutes, Jackie. Oh, tu ouvres là, on a pas toute la journée, merci. Le collègue du personnel est juste là. Ouais. J'ai pas vu sont partis les autres. Organisation, activer organisation fantôme. Non, c'est pas eu. Donc ils sont où? Alors ils sont partis chercher Il est dans l'arbre. Il est dans l'arbre à côté. Ah bah oui, bah oui. Ah bah central, je me fais attaquer. Je me fais actuellement attaquer. Vite. Position de combat. Aïe. Par contre, il sait pas où on est normalement. Ce que je vais. Donc, central, j'ai activé une des compétences. Partez, messieurs, partez vite. Partez. Donc, unité à central, je vais devoir repasser dans le. À l'atelier parce qu'il m'a recrevé un pneu, je répète. Putain. Ah ouais, toi t'as mis des pneus blindés, moi j'ai mis des pneus. Je vais peut-être aller mettre les pneus à l'épreuve des balles pour ce véhicule. Ouais, sauf que le problème c'est que là le souci. Je roule un peu sur le pneu, là, sur la jante là. Oh putain le bâtard, c'est 2 jantes arrière. Ah non ! Allez, 3 jantes ! Oh le bâtard ! Donc central, je vais demander des unités sur gym machin, des unités ultra grandes. Donc j'appelle actuellement les unités Meriwether. Security Consulting, how can I help?
Oula, petit bug. Please let us know who to target. C'est pas trop de ma faute en fait. En fait, je sais pas pourquoi. Attends. What the fuck, il est plus dans la liste. Ah si, il est là. Ok, target selected. Ben, vu qu'il pleut, et ben, c'est un peu le bordel moi pour mes. Pour. Vu que je fais depuis l'application, Xbox, ben, ça fait un peu le bordel. Donc, dans tout terrain, t'es gentil. Ouais. Donc, on sera la reprise de patrouille, j'ai réparé le véhicule. Par contre, j'ai envoyé des unités sur lui. Ok, c'est bon. Moi, c'est bon. Central, j'ai fini de réparer le véhicule. On va voir si c'est bien ces jantes-là. Ouh, il est pas très loin, il est pas très loin. Enfin, il est un peu plus loin. Alors, si c'est ces jantes-là. Attention, attention, on va plus être invisible dans quelques temps. Il est en train d'approcher. Central, on va se mettre en position au niveau de du parking au-dessus du Los Santos Custom. On va faire essayer de faire des barricades. Ah, ok. Ok, celui-là. Ok, tu barricades là. Bon, bah, je vais barricader l'autre côté. Putain. Parce que, par contre, vu que je lui envoie les mercenaires, normalement on devrait le voir. Il est en train d'approcher, je le vois. Ouais, je sais, je le vois. Il est près du truc de vêtements là. Oui, je sais, il est juste à côté là. Donc, central, je vais baliser avec des mines de proximité à un endroit. Ouf! Juste là, ça s'approche, ça s'approche. De l'autre côté, de l'autre côté. Wesh! Il est con! Il est vraiment très con! Ah non, il est au-dessus! Ah non, il est pas con lui. Il va essayer de nous avoir par le dessus. Tiens, allez hop, prends-toi une balle. Congratulations. Non, c'est nous qui l'ont tué, c'est nous qui l'ont tué. Ta gueule. Et précisément, c'est moi. Ouais. Bah ouais, mais je crois que je l'ai pré-shoot aussi donc. Ouais, ouais. Moi j'ai mis une balle dans la tête. Putain. Il arrive par le bas, je crois. Fais gaffe, j'ai mis une mine de proximité juste vers le bas. Hein. What? Hein? Genre, mon viseur ne l'a pas visé, quoi. Wow, non mais ça c'est le genre de mec qui s'est... d'accord, ok. Insurgent. Alors ça c'est le genre de mec qui sait pas ce qu'il fait, il me met une prime et au final il la reprend, mais c'est aucune logique. Ok, c'est bien. Lui depuis tout à l'heure il essaye de me recruter et puis il l'a tué. Donc, je pense qu'on va reprendre notre patrouille en normal. Ouais. Centrale. Ouais, non, 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 ouais, non,
Donc, unité 15 à centrale, donc nous avons un insurgent blindé qui nous a attaqué. Wow, 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 wow. Toi, je t'ai niqué, mec. Toi, je t'ai niqué. Ouh, oh, putain de merde, putain. Unité 15 donc... centrale, mon véhicule a été touché. Oh putain, je suis en train de me prendre des balles. Ouais, par contre, évite de me... Voilà. Donc son véhicule a été foutu en fourrière par les collègues. Mais vous poussez pas, bande de cons. Putain, mais bon. Les flics de GTA aussi. Ouais, mais non, mais ils ont été sympas parce que du coup, l'insurgent, il a atterri en fourrière. Parce que je les ai dispawn d'un coup, enfin. Oui, donc oui, quand même, ils ont été utiles. Centrale, donc on peut remercier les collègues qui ont refoutu leur insurgent en fourrière. Ok, je suis en train de bugger cordialement. Donc, unité 15 à centrale, donc le suspect me réattaque. Donc, on part sur une petite démolition. Et il a recommandé son insurgent. Je crois qu'il est parti, le suspect est parti. Donc le suspect est parti, donc bon, on va le laisser. On va voir s'il reviendra par l'arrière. Moi je crois que je suis contraint de retourner réparer mon véhicule, parce que là il a pris vraiment cher. Ouais. Donc lui... Bon, si ça se calme encore pendant 2 minutes environ, ben on... Fais gaffe, t'as quelqu'un qui te suit. Oui, je sais. Il t'a bloqué ou c'est une légère impression? Il m'avait bloqué. Mais il est mort. J'étais obligé. Il est en train de me viser avec son Uzi. Ouais, faut faire gaffe parce que du coup là maintenant il est virulent le mec. Bon, allez, centrale, on reprend les patrouilles. Donc juste à côté il y a. De toute façon en fait. Ah non, ton véhicule est pas blindé, tout ça. Non. Fais gaffe, il est sur la droite. Je sais. On va prendre une précaution parce que. Je suis désolé. Waouh. Ok. Putain, le mec il m'a tué 3 fois déjà. Putain, mais. Il est où? Ah bah, il est juste sur ma gauche en fait. Putain. Ça, je sais qu'il est juste sur ta gauche. Ah, il est sur le toit! Il est sur le toit, sérieux? What? Ouais, il est sur le toit. Ok, je vais essayer de faire la jeu stratégique, attends. Comment je vais pouvoir faire? Mais la société en... Non, parce que j'ai déjà fait, j'ai déjà fait une fois tout à l'heure. Tu peux pas le refaire? Non, il y a qu'une seule, il faut attendre. Putain. Je vais devoir essayer de monter. Ah, sa voiture est là. Donc, inventaire, munitions, projectiles. On a les collègues centrales qui sont en intervention dans notre zone. Des mines de proximité, on va mettre notre véhicule quand même assez loin. Voilà. Et on va mettre des petites mines. Juste histoire de... Ben, il m'a tué. C'est un flic qui est là-bas. Les flics sont en train de monter. Ok,
Ok. Les joueurs sont invisibles sur le radar. Ok, y a pas de soucis. What's up, pal? Okay, but only for a minute. Voilà. Go, 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 go. Fais gaffe, sa voiture est piégée. J'ai piégé sa voiture. Central, j'essaie de monter à l'échelle. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire arriver là-haut. J'essaie de le déloger. Il est délogé. Ouais, non, mais enfin, je vais me remettre sur le toit quand même. Okay. Moi, central, je vais essayer de l'interpeller. Ouais, l'interpeller, c'est un grand mot, mais compliqué. J'ai neutralisé quelqu'un qui était sur un toit avec une arme. Ouais, ben là, il y en a une deuxième. Putain. Donc il est de nouveau sur un toit, cette fois-ci il est au-dessus du Los Santos Custom. Je répète, la cible est au-dessus du Los Santos Custom. Localisé. Localisé, j'ai localisé la cible, elle est, je suis sur le trottoir au-dessus. Par contre là j'ai plus de visuel, j'ai plus de visuel. J'ai actuellement plus de visuel. Waouh, je me suis pris une balle. Il y a un individu en dessous. What? Ah, oh, un mec invisible sur le radar. What? Non, fusil de précision. Il était où lui? Non, il est à l'autre bout de la map. Il est super loin lui. Il est sur un toit tout en face. What? Mais... Ouais, mais même il a fait comment ce que je l'ai pas vu moi? Si, moi je l'ai vu, t'inquiète pas. Le bois. Juste là. Putain, central, on a des individus qui nous attaquent en fait en... Bim! Il était sur le toit en face. Ah, c'est toi. Putain. Par contre, il y a un individu là-haut, enfin, faut faire gaffe. Fais gaffe. Putain. Alors, l'enfoiré. Ah, l'enfoiré. Je me suis fait tuer par derrière un gars qui était au sol, au sniper. Donc, je l'ai en visuel. Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais me prendre un retour de grenade. Oh, donc le gars il m'a dit bien son arme sans foi. What? Pourquoi la grenade a rebondi dans le mur? Bon, bah, je suis encore mort. Putain, non! J'étais au courant quand même, l'épisode va durer une demi-heure. Ouais. Ok, ah oh, putain, merde. Ah oh, putain, l'autre il s'est reposté sur un toit, je crois. Oh non! Putain. Central, on est en grosse galère. Un individu est sur un toit. Non, il est pas sur un toit. Non. Il est où? Il est au sol, à l'hôpital. Il est au sol vers l'hôpital. Il est dans un coin sombre. What? Je suis en train de me prendre des balles. Attends. What the fuck? What? Mais what? Attends, mais le mec, genre, il réapparaît derrière. C'est quoi ce délire? Oh. Il est où lui, sérieux? Mais genre, il réapparaît là. Genre. Ta gueule. Toi tu me viseras pas. Ah ok, c'est bon. Putain. Je pense qu'après les amis on va se laisser là, je pense bientôt. On va essayer d'aller. Allez hop.
mourir encore. J'ai pas de quoi mourir encore. Voilà. On va essayer de récupérer nos véhicules centrales pour rentrer au barcail. Au pire, on a qu'à prendre la véhicule des collègues vite fait. Non, non, moi c'est bon, j'ai le mien. Ouais, non, mais pour aller plus vite. Non, moi c'est bon, il est là, moi. Ouais, non, mais moi le mien il est de l'autre côté, donc je prends la voiture des collègues. Donc, centrale, on retourne. On arrête nos patrouilles ici. Ouais, on va arrêter nos patrouilles, les individus sont. Tu vas où là? Bah, à ton avis. Hein? Pas vu. Donc centrale, donc code 4, fin de patrouille et fin de service. On rentre au poste de police. On puisse faire plus un peu de vidéo tranquille. Oh merde. Ah putain, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Tu sais pourquoi tu te mets invisible sur le radar? Pour pouvoir terminer la vidéo tranquille. Mais moi je vais rentrer dans le garage directement. Ouais, mais moi j'ai pas de garage encore ici. Ouais. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était avec Nezofox et on était en patrouille, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Première patrouille en duo d'ailleurs. Donc comme je vous ai dit en début de la vidéo, il y aura un retour, donc vous pourrez voir de son côté. Bon, il n'y avait pas grand chose, on était quasiment du même côté, quasiment, parce que là, vous avez pu voir, il y avait des individus un petit peu... voilà, je vous ai parlé des détails, je pense que vous avez pu voir. Du coup, je pense qu'on patrouillera peut-être un jour avec d'autres, les autres véhicules. Pour ça, j'avais envie de patrouiller. Déjà avec toute la team, ça pourrait être pas mal avec toute la team au complet. Ouais. Et donc du coup, bon, je pense qu'on va se laisser là les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, et de commenter, et de lâcher votre meilleur like aussi. Et moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. C'était SF Gaming, et puis n'oublions pas... Nezofox. Voilà. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, bye bye.